Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. On se retrouve aujourd'hui pour faire une séance de HIIT, donc une séance qui va mixer du cardio et du renfo, adaptée aux débutants, d'accord? Donc il n'y aura aucun saut, aucun impact pendant cette séance. Donc si jamais tu veux perdre du poids, brûler du gras, te sentir mieux dans ton corps et améliorer ta santé, c'est exactement la séance qu'il faut faire. Bienvenue à toi sur cette chaîne, si jamais tu me découvres, je suis Maxime, coach sportif diplômé, et avec Marine, sur cette chaîne on propose 2 séances de fitness par semaine, chaque samedi et chaque lundi justement, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs directement à la maison sans avoir à aller en salle de sport. Donc bienvenue à toi sur cette chaîne, laisse-moi un pouce en l'air si tu vas faire cette vidéo avec moi juste en dessous. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, tu as un bouton rouge qui est juste en dessous. Si jamais toi ton objectif c'est de perdre du poids, sache qu'on t'a créé un truc super au top, c'est le guide de la perte de poids saine et durable. Tu peux le télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description, c'est un guide complet qui va justement t'aider et te donner un plan d'action à suivre. Si aujourd'hui justement, tu as pris un peu quelques kilos depuis plusieurs mois, plusieurs années, du laisser aller et que tu veux une méthode, un plan d'action pour réussir à éliminer cette graisse. Donc télécharge-le encore une fois, c'est gratuit. Premier lien dans la description, ça va beaucoup t'aider, tu vas même y voir les principales erreurs. Donc je suis sûr que tu en as en fait au moins 2. Les principales erreurs que font les gens qui veulent perdre du poids en général, tu vois, qui font que tu n'y arriveras pas, comme 95% des gens. Donc on va pouvoir attaquer cette séance, mais je t'inviterai à la fin à aller vraiment le télécharger, tu vas voir que ça va énormément t'aider. Donc aujourd'hui, une séance spéciale débutant. Comment elle va se passer? 5 exercices différents, d'accord? Encore une fois, pas de saut, pas d'impact, je te rassure. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, et on fera 4 tours. Ok, des exos de renfo, d'accord, histoire de se muscler, de se tonifier, et des exercices cardio pour brûler un maximum de calories. Ok, donc on va commencer avec un petit échauffement très rapide. Je t'invite à prendre un peu d'espace dans le salon, si jamais c'est pas le cas, mais pause et tu reprends ensuite. Et on va commencer tout simplement par des hula hoop, donc des rotations de hanche dans un sens et dans l'autre, pour déverrouiller un petit peu le centre du corps. Ok, allez, on va directement se mettre en mouvement. Pour ça, on va faire des talons-fesses. C'est la base, d'accord? Des talons-fesses, très simple. Adapte le rythme à la maison, ça je vais te le répéter souvent. La vitesse que je mets moi, t'es pas obligé d'essayer de me suivre, ok? Tu peux faire à ton rythme, ok? Il n'y a pas de souci, il faut vraiment que tu adaptes tout au long de la séance la vitesse d'exécution des mouvements, ok? Allez, on va monter les genoux. Comme ceci, le plus haut possible, en contrôlant le mouvement. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est commencer à contracter les abdos et à aspirer le nombril. Ça aussi, je vais te le répéter plusieurs fois, c'est pour que tu l'automatises, pour que ça rentre, comme le nombril d'ailleurs. Allez, 3, 2, 1. Ok, on va tout simplement faire un mouvement complet, histoire de faire monter un peu le cardio. Donc, on tape la pointe de pied derrière. Le moment où je tape la pointe de pied, je vais lever les bras au-dessus de la tête. Simple. Le but de l'échauffement, là, c'est... Ça va être assez rapide, tu t'en doutes, mais c'est de faire monter le cardio, chauffer un peu les muscles avant la séance. Indispensable. 3, 2, 1. Ok. Ça n'a pas besoin de durer 10 ans, l'échauffement. D'accord? 4-5 minutes, c'est très bien. Et c'est très efficace, et c'est surtout indispensable pour ne pas se blesser et dépenser encore plus d'énergie pendant la séance. Et oui, ah. J'ai le micro qui s'en va. On continue, on continue. Ce qu'on peut rajouter, nous, c'est quoi? C'est les petits coups de poing. D'accord? Ça va chauffer en plus les épaules. Petit pas au sol, petit coup de poing. À la maison, j'accélère un petit peu. 3, 2, 1. Ok, on va faire des petits squats. Si tu débutes, d'accord, ce que tu peux faire, tu te mets devant ton canapé ou devant une chaise à la maison, tu viens t'asseoir et te relever. Alors tu t'assois pas complètement, tu viens juste effleurer les fesses sur la chaise et tu repars. Ok, si tu en as déjà fait, on peut faire directement sans chaise. On fléchit genou hanche, d'accord, le regard toujours droit devant. Et je souffle en montant. Donc là, tu sens qu'on chauffe les cuisses, les fesses, tout le bas du corps, les jambes, dans leur globalité. On garde bien le talon au sol. Encore deux. Petit dernier. Ok.
Pour finir l'échauffement, ce qu'on va faire, c'est que en même temps que moi, tu vas faire les exercices de la séance. Il y a 4 exercices différents. Je vais te les montrer, tu les fais en même temps que moi. Déjà, comme ça, tu vas pouvoir commencer à comprendre les exercices. Le premier, c'est un exercice cardio. C'est tout simplement, on va venir rapidement taper les mains sous les cuisses. Ok, si jamais tu n'arrives pas à monter le genou assez haut, tout simplement, tu tapes les cuisses. Donc là, c'est du cardio. On va essayer d'aller vite en faisant le bon mouvement, d'accord? Mais ça, c'est typé cardio. Ok, donc essaye de le faire à la maison. Assez simple, mais efficace. Deuxième exercice, on fera 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, c'est des fentes. L'exercice des fentes, d'accord? Je me tiens droit, je fais un grand pas, un bon mètre en arrière, et je vais fléchir le genou arrière pour le rapprocher du sol, et je reviens. Alors non, on va pas revenir, on va pas faire des alternés, on va rester en position, et je remonte. Autant pour moi, donc on va rester sur un côté, et je remonte. Si toi, le facteur limitant, c'est l'équilibre, si ça bouge beaucoup, n'hésite pas à te tenir à un mur. Comme ça, ça va te permettre d'être plus stable et de te concentrer sur les cuisses. Tu peux te tenir aussi à un meuble, canapé, chaise. C'est toi qui vois la maison, un enfant, un mari, une femme qui est là. Hop, viens voir toi, tu tiens à l'épaule. On en fait 5 de l'autre côté, d'accord? Donc, tiens-toi à la maison si tu as besoin. Si tu arrives sans rien, vas-y, profites-en. Ok, et pareil à la maison, on adaptera l'amplitude. Troisième exercice, on revient sur du cardio. On va être sur des mountain climber, donc on va être sur les mains et on va faire des montées de genoux au sol. Tu vois, tu vois. Donc là, pareil, tu adaptes la vitesse à ton niveau. Je peux aller très vite si j'en ai la capacité, comme je peux aller à ce rythme-là. Peu importe la vitesse, je veux juste que toi, tu te donnes à 100%. À ton 100% à toi. Ok. Dernier exercice, on revient pour muscler un peu le bas du corps. On va être sur des squats talons-fesses. Donc je fais un squat qu'on avait en échauffement. Un talon-fesses. Squat, talon-fesses. Ok. Je lance le chronomètre. On part dans 10 secondes. Pense à bien avoir une bouteille d'eau à côté de toi. Ou une gourde ou un verre d'eau, peu importe. Pour t'hydrater régulièrement. Allez, c'est parti. Donc là, 30 secondes de cardio. Après ça, on a 30 secondes de récup. Donc comme je t'ai dit, tu adaptes la vitesse. D'accord? Tu adaptes la vitesse à ton niveau. Et si tu peux pas monter assez haut, tu viens tout simplement toucher les cuisses. D'accord? Le but, c'est pas que tu arrondisses complètement le dos. Tu vois que mon dos reste assez droit. C'est surtout la jambe qui doit monter. Et là, c'est cardio. Hein. Yes! On est presque sur du chasseline. Ok. Premier exercice, c'est fait. Ensuite, on va passer aux fentes. D'accord, les fentes. Donc, il n'y a pas d'impact. Et j'insisterai jamais assez. Adapte la vitesse des mouvements à la maison. Ok? Forcément, on n'a pas le même niveau. D'accord? Donc si tu n'arrives pas à suivre mon rythme, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok? Allez, les fentes. Donc on reste d'un côté, pour moi le côté gauche. Oui, il n'y a pas d'ego à avoir. Ok? Tu adaptes la vitesse. Donne-toi 100%, c'est tout ce que je te demande. Donc ici aussi, on peut adapter l'amplitude. Peut-être que c'est dur d'aller plus bas qu'ici. Ben, pas de souci. Tu fais à ton amplitude max. Si c'est ça là, il n'y a pas de problème. Encore une fois, tu peux te tenir. Boum, boum, je sais que ça brûle, oui je sais, top, je suis au courant parce que ça me brûle aussi. 30 secondes et ensuite on fait l'autre côté, sinon on va avoir une grosse jambe et une toute petite, même si évidemment on va pas avoir une grosse jambe en faisant juste des fentes comme ça, je te rassure. Donc j'espère que tu vas kiffer ce format, ça va passer assez vite. 4 tours, tu vois. Comme quoi, on peut faire du sport vraiment à la maison, tranquillou. Top. Et avoir des bons résultats assez rapidement. Puisque la séance avec l'échauffement, on va faire grosso modo 25 minutes. 25 minutes, c'est encore facile à caler dans une journée, même chargée, en tout cas dans une semaine. C'est pour ça qu'on fait des formats comme ça. Allez, ici, je contracte les abdos. Tu te rappelles, je rentre le nombril. Je regarde droit devant. Ok, pour garder le dos droit.
Yes. Pourquoi je te dis de regarder droit devant, loin vers l'horizon? Tu vas voir que si je regarde par terre, naturellement, en fait, mon dos, il va s'arrondir. C'est logique. À partir du moment où je relève la tête, je regarde loin devant, ben, ma colonne va s'aligner. Et là, mon mouvement, il est mieux. Tout simplement. Tout simplement. Je sais pas quoi te dire d'autre. Enfin, c'est tout bête. Mais on n'y pense pas. Souvent, on regarde nos pieds. On aime bien nos chaussures. Mais là, non. Allez, mountain climber. Donc, chacun son rythme. Ok, peut-être que là, toi, t'es à 100%. Il n'y a aucun souci. Continue comme ça. On a 30 secondes à tenir. Je suis là avec toi. Ceux qui peuvent, on accélère un petit peu. Ok, on accélère les montées de genoux. Et surtout, on pense à respirer. On ne bloque pas en apnée. Yes, je te dis ça parce qu'évidemment, au début, quand on débute, les premiers mois, voire même les premières années, c'est dur. C'est dur de penser à respirer. Quand on est un peu, on se fait un peu violence, on a tendance à bloquer la respiration. C'est pas bon, on n'oxygène pas les muscles. Tu vas suffoquer assez rapidement. Ok, donc pense à respirer. Squat talon-fesse, c'est notre dernier exercice. On va finir ce premier tour. Top, squat, talon-fesse. Option plus simple, tu fais que des squats ici, d'accord? Si jamais tu ne maîtrises pas encore le squat au poids du corps, c'est compliqué. Si tu décolles complètement les talons, passe devant ton canapé ou devant une chaise. Pareil que pour les fentes. Là, on va regarder droit devant et loin vers l'horizon pour avoir le dos droit. Yes! Tendant, je souffle. À chaque fois que je remonte, j'inspire, je gagne les abdos et je souffle. On boit une gorgée, on a une minute pour récupérer. On a déjà fait un tour. What else? Avec l'accent. What else? On sait pas ce que je dis. Hein. Je sais. Ah, ça fait du bien. Je sais pas toi à la maison. Comment tu te sens après ce premier tour? Perso, je suis pas mal. What else? Donc, pense à boire. Bois pas trop non plus, une ou deux gorgées. C'est très bien. Si on a vraiment envie de faire pipi, bah, c'est trop tard. Il reste que 8 secondes. Et si on était en train de faire pipi, on se dépêche. Ça va prendre 3 secondes. Avec les tapes sous les cuisses. Allez, let's go. Allez. On tape. Et tu tapes, tapes, tapes. Ce refrain qui te plaît. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveillant-toi un tourbillon de vent de folie. Allez, bon, t'auras compris. C'est pas mon fort. Yes. Alors, je connais d'habitude ces paroles. Là, j'ai fait un yaourt. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un rang de folie. Voilà, c'est mieux. Allez, donc on reprend avec nos fentes. Fente d'un côté, oublie pas, tu peux te tenir à un meuble. À un enfant. Top. Je sais qu'il y en a parmi vous qui prennent leurs enfants pour des esclaves. Viens là-dedans. Allez, bouge pas. Après, tu peux lui dire, bah, fais-le en même temps que moi, tiens. Ça peut être sympa en famille aussi. Comme ça, il fait l'exercice avec toi. Et en plus, il te permet d'avoir un point d'appui. Et je viens de te donner une giga idée. Pour faire de tes enfants des esclaves, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Top. Sauf s'il m'entend, forcément, maintenant il le sait. Allez, on pense à faire l'autre jambe. On sent bien hein, sur cette séance. Je pense qu'après, tu vas le sentir. Le travail sur les cuisseaux, les fessiers. Évidemment, parce qu'on a deux exercices de renforcement musculaire sur le bas du corps, là, au poids du corps. Donc, évidemment, qu'on le sent bien.
Allez, j'allais me tromper de clé. J'allais faire deux fois la même jambe. Tiens, je vais mettre de face pour changer. Hop. Donc là, tu vois que mon buste, il est bien droit. Regarde droit devant, comme je t'ai dit tout à l'heure. Les abdos, ils sont gainés. Je descends d'un bloc. Toute cette partie-là ne bouge pas. Il n'y a que les jambes qui bougent. Si tu as besoin de prendre 2-3 secondes entre les répétitions parce que ça pique trop, prends-les. Hein. Top. Yes. Mamma mia. Mountain climber. Donc les montées de genoux au sol. Si tu veux prendre un tapis, mets-toi un tapis. Hein. J'en ai pas mis moi, mais moi je suis un dur. Sur le parquet, d'accord. Mais toi, si tu veux prendre un tapis de fitness, évidemment, fais comme chez toi. Fais-toi plaisir. Les mains sous les épaules. Allez, oublie pas ce que je t'ai dit, on pense à respirer. Je rentre le nombril. Je contracte les abdos parce que je suis quand même en position de gainage. Allez, je sais que ça commence à devenir difficile. Je sais. Mais tiens le coup. Résiste. Prouve que tu existes. Top. C'est soirée années 80. Je t'avais pas dit. Ah, il nous reste les squats. Donc squat talon-fesse, j'insiste. Si tu maîtrises pas le squat, si tu as beaucoup de mal à faire un squat au poids du corps, que c'est très fébrile, ton talon décolle, assis debout, tu effleures les fesses, tu remontes, d'accord, tant pis pour les talons fesses, c'est pas grave, top, c'est une option, je souffle à la remontada. Allez, je veux que ton talon il vienne taper la fesse. D'accord? Bam. Bam. Et bam. Ça touche. Ça touche. Allez. Si ça touche pas, c'est pas grave. Top, on veut juste l'intention. Je veux que tu mettes de la volonté là-dedans. On a fait la moitié de la séance. C'est cool. C'est cool. Maintenant, on peut boire une gorgée. Chin. C'est de l'eau, évidemment. On boit que de l'eau pendant les séances. Pendant les séances, j'ai dit. Évidemment, personnellement, je ne bois pas que de l'eau toute l'année. Tu t'en doutes? Hein? On va pas mentir, on n'est pas comme ça, nous. On s'invente pas une vie. Hein? Comme beaucoup sur Insta, nous on est parfait, on fait tout bien, que de l'eau. Non, évidemment, tu t'en doutes. Bon allez, écoute pas les conneries, on reprend. Le cardio. Top. Mais pendant les séances en tout cas, je t'invite à ne boire que de l'eau, bien évidemment. Et je te dis ça parce que 75% des Français, non, ne boivent pas de la bière en faisant du sport, 75% des Français sont déshydratés. Ne boivent pas assez d'eau. Donc il y a 3 chances sur 4 que tu en fasses partie. C'est pour ça que je te répète à quasi chaque séance et dans tous nos programmes, bois de l'eau. C'est indispensable. Top. C'est indispensable, ok. Donc on le fait. La moindre déshydratation, ça peut avoir des petites répercussions, mais qui font que sur le long terme, ça peut pas mal te dézinguer quand même. Donc pense à boire. C'est pour ça que je te prends le réflexe, toujours une ou deux gorgées entre chaque tour. Tu bois bien avant, tu bois bien après. Tu verras que déjà ça va aller mieux. Allez, fente. Là tu dis, oh non, les fentes. Top, c'est déjà les fentes. Eh oui, je vous connais. Je vous connais. Je sais. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, elles arrivent trop vite ces fentes. C'est déjà les fentes, c'est pas possible. Tu vois, tu peux te tenir, hein. Ça marche très bien. Et si ton problème à toi sur cet exo, c'est l'équilibre, si tu veux vraiment te concentrer sur les cuisses, tu te tiens à un mur. Ok,
Ok. On va changer de côté pour pas ressembler à un Picasso. Ah, à la fin, tu pourras me dire un peu en commentaire aussi tes ressentis. Est-ce que ça brûle les cuisses? Nom de Dieu. Moi, ça me brûle. Alors, je pense que toi aussi, hein? Puisque je fais l'ascense en même temps que toi, je te le rappelle. Je suis pas une IA, pas encore, hein. Je suis là. Je suis là, nom de Dieu. Donc oui, je me fais du mal en même temps que toi. On se fait du mal, mais on se fait du bien. Donc oui, ça pique. Je compte sur toi pour me dire en commentaire un peu si ça te pique. Toi aussi. Je tac. Pareil pour t'aider à l'équilibre. Fixe un point, d'accord? Tu fixes un point, donc loin devant, t'as compris, pour que le dos soit droit. Et tu ne lâches plus. Top. Pour la gestion de l'équilibre, ça aide beaucoup de se concentrer visuellement. D'accord? Si tu bouges la tête, forcément, c'est beaucoup plus dur. Donc tu fixes un point, tu ne le lâches pas. Et tu te concentres dessus. Ça va t'aider à mieux gérer. Allez, plus que deux exos. Les mountain climbers. Les montées de genoux au sol. Je disparais. Non, pas trop parce qu'il y a l'exo qui arrive. Allez. Je te rappelle qu'on est dans le troisième tour. Après ça, il n'y a plus qu'un tour. Donc, on cravache. Oui, mais c'est bientôt fini. Allez, on souffle. Donne-toi à 100%. Encore une fois, je t'ai dit, on essaie de tenir les 30 secondes. Même si tu ralentis, c'est pas grave. Donne-toi à fond. C'est tout. Top. Il n'y a que ça qui compte. Histoire que tu sortes de cette séance avec la fierté de t'être donné. Tu vois? Pas de regret. On se donne, on se donne, on se donne, on se donne. Je sais que c'est pas facile. On est obligé de passer par cette phase de douleur. Mais c'est de la douleur à court terme. Pour du bonheur et du plaisir à long terme. Pour une meilleure santé. Donc, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est dur mentalement. Mais il faut le faire. Ok? Et plus tu vas le faire, plus ton ressenti, moins ce sera dur. D'accord? Ton corps, il va comprendre ce que tu lui demandes, il va s'habituer. Ton mental, il va se renforcer aussi. Tu verras que ça va devenir beaucoup plus naturel, même si là, aujourd'hui, peut-être tu débutes, tu es en reprise, je sais pas. Tu comprends peut-être pas ce que je te dis maintenant. Mais tu verras que plus tard, top, là tu dis non, là, gars, c'est trop dur. Tu as du mal à le visualiser, mais tu verras que tu vas évoluer, ça va être de plus en plus simple. Ok? Tu vas t'habituer à cette douleur. Tu vas t'y faire. Ça va devenir une routine, une habitude. Donc ne lâche pas. C'est vraiment le moment de ne pas lâcher. Je sais, bon, ça m'arrive de faire des reprises. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une grosse reprise. C'est très très dur, même pour nous. Hein. On est habitué à faire du sport, c'est dur. T'as l'impression d'être une merde. Tu te dis, c'est pas possible. Comment ils font, eux, pour aimer ça? C'est pas possible de prendre plaisir à faire ça. Non, à l'instant T, c'est tellement dur quand tu commences que oui, je comprends. Mais crois-moi, fais-moi confiance. À force de faire des séances, tu vas réussir à prendre du plaisir, tu verras. Ça sera toujours un peu dur, évidemment, mentalement aussi. Mais crois-moi, résiste. Allez, dernier tour. On tape sous la cuisse. Allez, il reste que 5 fois 30 secondes. On va le tenir ensemble. Je suis là, je suis avec toi. Allez, pouf, pouf, pouf. Je m'en fous du rythme. Peut-être que toi, t'es ici. Est-ce que t'es à fond? C'est la seule réponse qui compte. Allez, on se donne, on se donne, on se donne. Yes! On est en train de changer son corps là. Il y a plein de processus qui sont en train de se passer là-dedans. Au niveau hormonal notamment. Qui font qu'après ça, tu vas te sentir très bien. Je bois une petite gorgée. Toujours d'eau, évidemment. Mais il y a plein de processus qui se passent qui font que ton corps s'améliore et tu vas te sentir bien. Tu verras dans une heure, tu t'en tireras bien. Allez, fente.
Allez, on va tout casser. C'est ta séance. C'est ta séance. Boum. On gagne les abdos. On regarde droit devant. Paf. Paf. On regarde ses objectifs là-bas. Ils sont juste là-bas. Encore un peu, je vais y arriver. Yes. Aïe, aïe, aïe. Jean-Pierre Développement Personnel. Bonjour. Évidemment, j'en rigole, mais... Tout ce que je te dis, c'est quand même sérieux. Hein. Au final, je rigole pas. On se prend pas au sérieux, mais on dit des choses sérieuses. C'est ce qu'on essaye de faire. Allez, 7 secondes. Attends, j'avais la jambe gauche devant. Oui. Oui, j'espère. Allez. Ouais, je le sens. De toute façon, j'ai la cuisse qui brûle. Allez, on tient. Il nous reste 3 fois 30 secondes. Fente, mountain climber. Squat. On va les bouffer. On va les bouffer les exos. Je sais que ça picote les cuisses. Ça brûle. Ok. Parce qu'on est en train de les muscler. Pretze. Pretze. Ok. Une minute. Une minute de travail. Une minute à galérer un petit peu. Mais ça vaut le coup. Les mountain climbers. Allez, on se met en place. On reprend dans 6 secondes. Ça tire là. Hein? Ah, ça tire. Allez. On monte bien les genoux. On a bien les épaules au-dessus des poignets. Allez, le regard entre les deux mains. Là, c'est le mental en général. Quand on arrive à la fin de la séance, c'est le mental qui commence à dire oh, tu peux t'arrêter là. Non, je le mets en pause celui-là. Je ralentis s'il faut, si c'est trop dur, mais j'arrête pas. Yes. Bien. Dernier exercice. Les squats. Squat talon-fesse. Allez. Allez, 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 allez. Je le fais avec toi comme d'hab. Toutes les séances, on les fait entièrement avec toi. On te lâche pas. On est là jusqu'au bout. Allez. On va chercher un peu d'énergie là. Il reste plein d'énergie. Et on tient, on essaie de se donner à fond. On sort ces 30 secondes, trempé, essoufflé. Avec la satisfaction du travail bien fait. Dernier. Bravo. Bravo à toi. Tu peux t'applaudir. Si t'as le cardio qui est bien monté, je t'invite à marcher un peu dans ton salon. Tu calmes ta respiration. D'accord? Le fait de redescendre progressivement tes rythmes respiratoires, ça va faire redescendre le cardio doucement. Ok? Pendant ce temps que tu marches, moi j'ai des trucs à te dire. Déjà, dès que tu auras fini de marcher, de récupérer, dis-moi en commentaire un peu si tu as kiffé cette séance débutant sans saut. D'accord? Dis-moi ça. Dis-moi un peu tes ressentis. Dis-moi si tu as les cuisses qui ont brûlé. je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre comme d'habitude. Ok? Si c'est pas fait, on lâche un pouce en l'air. Je saurais que tu as fait la séance avec moi, que tu as tenu jusqu'au bout. Et abonne-toi à la chaîne YouTube Flash Fit Homme. Si c'est pas fait, Flash Fit Homme. Bouton rouge juste en dessous. Avec Marine, on est deux coachs sportifs, diplômés, professionnels, d'accord? On te fait 2 séances de fitness par semaine sur cette chaîne. Et évidemment, on a aussi de l'accompagnement, des programmes. Tout ça, c'est dans la description et annonce très importante. On lance pour la rentrée 2024. Je ne sais pas quand tu vois cette vidéo. Le 8 septembre, on sort notre programme de renforcement musculaire de 8 semaines, Body Sculpt 8 semaines, un programme de renfort avec
tout simplement deux haltères. C'est tout ce dont tu auras besoin pour te muscler, te tonifier et te sculpter un corps harmonieux, d'accord ? Tout ça à la maison sans avoir à aller en salle de sport. C'est un des programmes qu'on nous a le plus demandé depuis un an. Donc il y a beaucoup de travail, mais tu vas voir que ce programme il va être fou, je te le dis. Il va changer ta façon de t'entraîner, il va complètement changer ton corps, et ça en 8 semaines à la maison, encore une fois j'insiste, sans aller en salle de sport. Donc si tu n'aimes pas les salles de sport, si tu te sens pas à l'aise, tu trouves que c'est trop cher, c'est ce programme qu'il va te falloir. Ça sort le 8 septembre 2024, il y aura des préventes spéciales juste avant, donc reste bien connecté sur nos réseaux, et en plus il y aura une offre de lancement bien évidemment, avec 50% de réduction à la sortie du programme. Donc ça sera un truc de ouf, tu auras un programme de malade mental à un prix juste dingue. Donc reste bien connecté, tu vas voir. Regarde dans la description, en fonction de quand tu fais cette séance, il y aura un lien, ok. Mais sinon, reste au courant sur Insta et sur YouTube, surtout sur Insta. Si tu ne nous suis pas, Flash Fit Homme sur Instagram. Moi, je te fais des gros bisous, des gros poutous, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.